l'horloge est inventée en Europe, quelque part entre l'Italie, la France ou l'Angleterre, on ne sait pas très bien. Et c'est une cage, c'est une forme de cage, une horloge où les rouages occupent cette forme, assez proche de la Contoise d'ailleurs, du mouvement de la Contoise. Et il faut attendre la fin 15e, début 16e siècle pour que soit inventé le ressort moteur pour que on puisse remplacer les poids qui sont extrêmement encombrants par un ressort et pour qu'on puisse commencer à poser les horloges sur une table, voire en faire une montre, c'est-à-dire la porter sur soi. La montre apparaît à ce moment-là, avec la montre, un nouveau métier. Au début, c'est quoi les métiers du début? C'est des serruriers. Il n'y a pas d'horloger au départ. Il faut bien fabriquer cet objet qui vient d'apparaître, cet ovni un peu. Et c'est les serruriers, parce que c'est des métiers du métal, qui se mettent à l'horlogerie, qui inventent le métier d'horloger. L'horlogerie, depuis 200 ans sur l'arc jurassien, est venue du fait de la rudesse du climat. Les paysans, ne sachant que faire de leurs longues soirées d'hiver, parfois avec 2 mètres de neige, se sont établis et ont fabriqué des pièces d'horlogerie, et des montres en particulier, qui étaient ensuite vendues sur des villes comme Genève ou Besançon, puis partaient dans le monde entier. Alors historiquement, nous sommes installés ici dans l'arc jurassien entre Genève et Bâle, qui sont 2 villes suisses mais sur la frontière. Et l'horlogerie s'est développée là depuis au moins 2 siècles. Il y a des formations à l'heure actuelle pour sauvegarder le savoir horloger, parce que s'il s'agit vraiment de sauvegarde. Il y a eu même des moments où moi, quand j'ai commencé à travailler sur le musée du temps, il y a eu un moment un peu d'instabilité où on se demandait si le métier allait continuer. À l'heure actuelle, on est rassuré, le métier continue. Il y a eu cette mode, parce que moi j'ai vécu comme une mode de la montre mécanique, de la relance de la montre mécanique, qui a beaucoup aidé à conforter la passation du métier d'horloger dans les jeunes générations. Le rebond du marteau sur la miroir, c'est ça, c'est là que vous allez avoir le final. C'est pas le... Si le son il est... Si on amortit le marteau, ça fait ici ou il faut que je roule. Alors dans mon cas, je suis venu à l'horlogerie par goût d'un travail minutieux, propre, précis. Parce que j'ai un petit problème avec ma montre. Oui. En fait, quand je la porte, il n'y a pas de souci, elle marche bien. Quand je la retire, au bout de quelques temps, elle s'arrête. Donc si je la remets tout de suite, ça va. Mais le week-end, par exemple, le lundi, elle est complètement déréglée. D'accord. Donc ça doit être un problème mécanique, puisque c'est une montre à remontage automatique, apparemment. D'accord. Donc je regarde et je vous dis ça tout de suite. Mon père était horloger. Il a travaillé 20 ans dans une entreprise et puis 20 ans à son compte, qui travaillait à l'appartement. Et moi, tout petit, j'ai vécu dans ce milieu. Et c'était relativement agréable. J'étais très, très intéressé par le métier. Je le regardais travailler. C'était super intéressant. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis lancé dans cette voie-là.
ce sont des produits qui se transmettent de génération en génération. Donc ça va aller du grand-père aux enfants, aux petits-enfants. Donc ce sont des objets qui vont perdurer dans le temps. Donc qui sont amenés à être remis en état régulièrement. Les machines ne nous remplaceront jamais. C'est pratiquement impossible. Au niveau de la réparation, c'est impossible. On aura toujours besoin du doigté, du savoir-faire manuel de l'horloger. Nous essayons de transmettre à nos futurs salariés ou aux jeunes salariés qui arrivent en entreprise, c'est la passion, le savoir et surtout l'exigence du métier, de façon à leur transmettre les mêmes valeurs que nous avons reçues. Notre travail chez Breitling Service consiste à s'occuper des réparations des montres Breitling pour la France et une partie de l'Europe. Notre savoir-faire ici, c'est principalement du chronographe et des montres compliquées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert et développé un centre de formation. Même si, lorsqu'on le voit travailler, il est seul et, par la force des choses, va être un peu introverti, il a quand même besoin d'une équipe. Donc c'est un travail de solitaire, avec derrière le sentiment d'être épaulé par une équipe. Ici, vous êtes dans l'atelier de restauration et de réparation des montres anciennes qui souvent appartiennent à des collectionneurs, à des passionnés d'horlogerie et de chronographes. Et Johan et M. Tommaso sont habilités à réparer ces montres. Parfois, ils vont passer plusieurs jours sur la même montre, sur le même modèle, parce qu'il y a des pièces à refaire et ces pièces sont refaites à la main puisqu'elles n'existent plus. Ce qui est important pour moi dans la transmission du savoir-faire, c'est de conserver les techniques de travail en horlogerie, dont j'ai appris les bases à l'école. Et par manque de temps, manque de moyens, je pense aussi de l'école, on n'a pas tout le matériel pour apprendre ces techniques-là dans le temps. Bon, je rencontre par le travail, comme M. Tommaso, m'apprend comment me perfectionner de ce côté-là. Lui, il a une façon de faire, il m'explique comment il travaille. Moi, j'essaie de faire au mieux dans le sens qu'il m'explique. Il trouve plus facilement les pannes que moi, j'ai encore du mal à trouver. Il fait peu de mouvements, mais ses mouvements et ses doigts sont très précis. On va pas aller jusque-là, mais c'est un peu comparable à un chirurgien. Bien, c'est important pour moi pour transmettre savoir-faire de l'horlogerie parce que le métier ne perd pas et que d'autres personnes peuvent apprendre aussi toutes les connaissances du métier de l'horlogerie, surtout sur les réglages et bien savoir faire bien un bon réglage sur la montre. Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de temps, ça, c'est pas possible dire un temps de formation. Toujours on apprend des choses, des nouvelles choses. C'est impossible de dire comme ça. On dit que l'horlogerie est un vieux métier d'avenir.
on a toujours besoin d'horloger. Il faudra toujours réparer les montres qu'on vend actuellement. Le savoir-faire existe. Nous avons à la fois la chance et la malchance d'être très proche de la Suisse. Et donc, beaucoup des jeunes de la région font des apprentissages d'horlogerie pour ensuite partir travailler de l'autre côté de la frontière. Mais certains restent ici. La preuve, on a quand même 80 personnes chez nous. Allez, Nips. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut bien que je retrouve la position exacte de mon... L'année 2100 ne sera pas bissextile, alors qu'elle devrait y être si on compte normalement. 2096 sera bissextile, mais 2100 ne sera pas bissextile. Et les grandes marques cherchent à former des horlogers qui seront capables, à cette période, de pouvoir remettre à la date les montres qui sont fabriquées aujourd'hui. Dans un musée, on se pose la question sur le très long terme. On ne peut pas se dire, par exemple, quand on a la montre la plus compliquée du monde, on est obligé de se poser des questions sur les 100 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'entretient maintenant avec les horlogers, leur savoir-faire actuel? Ou est-ce qu'on se dit que pour l'instant, on peut la laisser encore dans l'état où elle est et que plus tard, on verra comment la situation évolue? Mais est-ce que plus tard, dans 50 ans, est-ce qu'il y aura encore les savoir-faire? Ça, c'est pour moi une vraie question.